Tremblay à Jonquière. Véronique, bonjour. Bonjour, Nathalie. Alors, où en est la situation là, dans ces régions où vous êtes actuellement? C'est vraiment une catastrophe au Saguenay. Présentement, là, j'ai les pieds bien au sec, mais je suis chanceuse, c'est pas partout comme ça. On parle de 15 000 évacués, dont 7 000 là, vraiment parce qu'il y a eu des inondations dans leurs maisons. D'autres, 8 000 par mesure de précaution. Les pluies, c'est dû aux pluies torrentielles qui ont débuté vendredi soir. Tout ça, ces évacuations. On parle d'une centaine de résidences complètement détruites. Certaines se sont enfoncées dans la glaise, dont deux morts, un jeune homme et une jeune femme. Plus de 1000 maisons complètement inondées. Les secteurs touchés, Chicoutimi, Jonquière, Ville-de-la-Baie et les environs. En Saint-Jean, la population est tout à fait isolée. C'est les militaires là, qui sont là pour prendre soin d'eux autres. Ferland-Boileau, une population de 700 habitants, eh bien là, tous les habitants ont été évacués, toute la localité. Les routes, dans le parc des Laurentides, eh bien, on ne peut pas rentrer au Saguenay parce qu'on ne veut pas bloquer là, la circulation engorgée ici au Saguenay. Donc, les gens qui s'en viennent ici dans la région sont arrêtés là, à l'étape. Les autres routes, c'est débloqué. La route 155, dans la TUC, ça, c'est débloqué. La 170 est encore fermée. Donc, plusieurs problèmes d'eau potable aussi ici. Je dirais vraiment, c'est dramatique. Maintenant, je cède la place pour Jonquière, parce que là, c'est vraiment là que c'est le pire en ce moment. Donc, je cède la parole à Daniel Renault. Oui, merci.